Parce qu'aujourd'hui, les agents des forces et du Sénégal, les agents des collectifs de l'Occident du Sénégal, nous
n'ont pas su se faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir une injustice déguisée. Nous sommes en train de subir une injustice caractérisée. Nous sommes en train de subir aujourd'hui une injustice qui ne porte pas son nom. Et monsieur le président, aujourd'hui, ces gens aujourd'hui qui sont en train de marcher, qui ont placé leur confiance à ta qualification, nous vous demandons de revenir sur votre décision, monsieur le président. Revenez sur votre décision. Nous comprenons ce qui est mon pays, l'Union, monsieur le président. Mais les lieux, agents conseillers, liés de la presse, vont vous tester. Mais là, nous, derrière une lettre, 45 départements. On a le bouton, les lieux. Général des travailleurs du Sénégal. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui cette marche? C'est pas bon, hein? C'est pas. Un, deux, trois. Sidi Ndiaye, secrétaire. Ouais, bon, s'il vous plaît, ouais. Allons-y. Non, ne traitons pas des hommes. Oh, bon, téléphone. Vous dites un peu, donc, ce qui motive cette marche? Cette marche, il s'inscrit dans le cadre du déroulement du plan d'action de la FGTS et du collectif national des travailleurs des conseils régionaux du Sénégal. Est un plan d'action dont le groupe a été aujourd'hui cette manifestation, comme vous l'avez constaté, avec une large mobilisation des travailleurs de l'ensemble des régions du Sénégal qui ont tenu à participer et à battre le macadam pour protester contre l'acte 3 de la décentralisation qui, dans sa forme actuelle, présente de nombreux risques, de nombreux dangers. D'abord pour les emplois, ensuite pour les populations et pour le pays. Nous estimons qu'aujourd'hui, l'absence de concertation, l'absence de consultation a fait que l'acte 3 a été dévoyé par une bande de manipulateurs qui pensent qu'ils peuvent mettre tout le monde dans un même sac. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut que nous laisserons notre rôle de veille, notre rôle de sentinelle en tant que travailleurs. Parce que depuis des années, nous avons consacré toute notre vie à construire les régions. Et nous savons ce que les régions apportent en termes de économique, en termes social et en termes culturels pour les populations. Nous ne pouvons pas comprendre qu'au moment où le gouvernement n'est pas en mesure de fournir à l'opinion nationale et internationale les preuves ou un document sérieux visant à démontrer la non-pertinence de la région, qu'on veut la supprimer. Nous avons entendu le ministre dans son monologue stérile, puisque nous l'avons invité plusieurs fois à des débats, il a fui le débat. Nous l'avons invité pour venir s'expliquer, il a fui. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous l'avons entendu parler que Sidi Ndiaye est seul dans ce combat. Malheureusement pour lui, les faits démontrent qu'il est en train de se tromper lourdement. Parce qu'il a, il sait qu'il a échoué. Monsieur le ministre, s'il vous reste un peu d'honneur, le seul honneur que vous pouvez revendiquer aujourd'hui, c'est de tirer votre évidence, de dégager le plancher. Vous êtes le ministre le plus incompétent de l'histoire de la décentralisation du pays. C'est pourquoi nous nous adressons à M. le Président de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos amis de l'ANEJ, du FNPJ, de l'AGEP, de l'ANEMA, dont les agents vont être supprimés. Nous ne savons pas pourquoi, pour des raisons de politique policienne ou pour recaser du personnel politique. Ils ont rejoint le combat. Et ensemble, nous allons nous battre
pour défendre nos acquis. C'est pourquoi aujourd'hui, mes chers amis, nous voulons dire à M. le Président de la République de ne pas mettre en œuvre cette loi. Parce que cette loi est porteuse de danger. Cette loi, dans sa forme actuelle, est une loi scélérate, nous l'avons dit. Et nous mettons au défi. Depuis le 14 janvier, nous sommes sur le terrain. Personne, je vous dis bien, personne n'est en mesure de nous défier. Parce que ce que nous disons est vrai. Ils se sont précipités. Ils ont amené la loi en procédure dirigeante à l'Assemblée nationale pour rien pouvoir tromper le peuple. Avec 45 départements, qu'est-ce qu'ils cherchent? Le recasement du personnel politique. C'est ça la vérité. Mais les faits sont tenus. En tout cas, les travailleurs mobilisés défendront leur statut. Parce que vous le savez, la fonction publique locale, monsieur le ministre, monsieur le ministre, la fonction publique locale que vous avez rangée dans les tiroirs, vous allez devoir l'exhiber. Parce que dans les jours à venir, nous serons en mouvement. Nous serons en mouvement pour défendre le statut. Parce que le ministre a dit que cette loi est irréversible. Mais c'est son départ qui est irréversible. Il n'a rien à nous dire. C'est la décision à dire qu'il vient devant le peuple sénégalais, devant la presse, et nous allons débattre. C'est ça qui est normal dans une démocratie. Il n'a rien à nous dire. J'ai dit que c'est le ministre le plus incompétent de l'histoire de la décentralisation au Sénégal. Vous pouvez l'écrire. S'il a autre chose à dire qu'il vient nous affronter, il dit que je suis seul dans le. Est-ce que je suis seul? Non. Les travailleurs sont là debout. C'est pourquoi nous leur disons que dans les jours à venir, nous allons faire monter la pression. Et c'est pourquoi il n'est plus notre interlocuteur. Notre interlocuteur, c'est le président de l'armée. Nous lui disons solennellement de ne pas mettre en œuvre cette loi et d'ouvrir des concertations. Seules les concertations peuvent faire l'économie d'une crise. Parce que là, nous sommes engagés dans un processus irréversible en ce qui nous concerne par la lutte pour la défense de nos acquis. Il n'est pas question de recul. Je voulais remercier tous les responsables syndicaux ici présents qui ont tenu à marquer leur présence à nos côtés. Ibrahim Niomay, la CDTS. Le travail des conseils régionaux nous ont organisé donc, par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons actuellement le président Macky Sall, le Réoumi, le Ligue Gati. Nous avons le groupe de groupuscule. Nous avons une manipulation avec les gens. Nous avons une scène de code. Nous avons utilisé le code général des collectivités locales. C'est le code Sara. Nous avons le code de Tchahan. Nous avons une scène. Depuis le 14, nous avons dit que 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 nous avons dit daw ci marché bi pour que ñu mëna défendre ak yi donc ministre bi lu ngey xamal la moy mom parina mom mënul mom ci na leen da abalé légui nak suñu interlocuteur muy président de la République ñukoy xamal loi bi bu mu ko mettre en œuvre parce que loi bi baxul ci mom baxul ci réew mi baxul ci ligéy bi mais ñom japp ñu loi de ken ñu ci delu ki na waaw xam nga ni mom ci bopam mom du dara parce que mom dañ ko fal décret mo ko décret mëna ko jëlé na wax ci statut bi statut fonction publique locale parce que mom tuné la bim ñëwé ba légui fonction publique bi woté nañ loi bi depuis 2011 signé deux